Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2, comme c'est très rare de voir des vidéos sur Call of sur ma chaîne, mais comme vous avez été nombreux à me demander de me divertir dans les jeux et de faire autre chose que du GTA V, bah voilà, vous êtes un peu servi, je vous offre un peu de Call of, donc certes il n'y en aura pas beaucoup sur ma chaîne, mais je tenais à vous proposer une petite série dessus, étant donné que je suis en vacances, autant en profiter et faire des choses assez intéressantes sur des jeux comme Call of Duty Black Ops 2, ou même d'autres jeux que j'ai, donc ça peut être du Minecraft, ça peut être du Forza, etc. Moi, du coup voilà, je fais vraiment au feeling, si j'ai un truc qui me vient, bah je le fais, si ça me vient pas, je le fais pas, tout simplement, bref, donc je présente un petit peu le gameplay. Donc on est sur la map Red. Dans tous les cas vous devez connaître cette map hein. Je vais pas vous apprendre où est-ce que tu es. Je vais pas vous apprendre à jouer à Black Ops 2. Donc les mecs sont déjà prêts pour faire du spawn kill. C'est super, bravo. Vous êtes génial. Vous êtes génial, super, vous êtes géniaux. Génial, bref. Bref. Donc, oui je joue au C4. Et alors, c'est quoi le problème? Je sais que le C4 est ce qui fait le plus rager les joueurs sur Call of Duty, mais bon c'est pas grave. Bref, on va quand même présenter la série dans cet épisode. Donc cette série, cet épisode sera entièrement dédié à la présentation de la série. Et les autres épisodes rentreront vraiment dans le vif du sujet. Donc Fusion X, E-Prime là commence à me péter les nerfs. Hop, bref. Toi tu étais pas très bon, mais c'est pas très grave. Donc la série se nommera tout simplement. Non, il est là-haut. Ok, donc d'accord. Je sais pas comment il m'a mis une tête alors. Bref, on va être dragé. Donc la série se nommera, comme vous l'avez vu dans le titre, le rusher de l'extrême. Donc le rusher, ce sera moi. Et vous serez ceux qui allez regarder. Parce que voilà, moi je suis un rusher. Parce que moi, il faut savoir. Oh là là. Ok, donc d'accord. Donc je vois le niveau du mec hein, déjà. Oh, oh, mon dieu. Non, pourquoi stopper dans cet élan? C'était tellement beau, c'était tellement magnifique. Bref, je vais arrêter de me concentrer sur le gameplay, de parler du gameplay, on va parler surtout de la série. Bref, donc la série se nommera Le Rusher de l'Extrême, donc ce sera moi, et vous, vous allez tout simplement participer. Donc là, pour cet épisode, vous n'avez pas pu participer, ni choisir, mais pour cet épisode, hein, je joue à Line 94, viseur, réflexe, C4, les séries de victimes, drone de brouillage et micro-station comme je joue habituellement avec mes atouts que je ne connais pas par cœur. D'ailleurs je m'en fous totalement, mais bon c'est pas grave. Donc cette série sera tout simplement, c'est vous qui allez choisir mes classes. Donc vous allez choisir à 100% mes classes, donc pas une seule personne. Vous allez tous choisir mes classes, je précise. C'est-à-dire que par exemple, un certain Alex ou Pierre, je sais pas quoi, on donne des pseudos comme ça. Mets dans les commentaires, tu vas jouer avec Line 94, par exemple. Donc il va mettre jouer avec Line 94. Dans un autre commentaire, une personne va dire de jouer avec, dessus le silencieux ou le viseur réflexe ou je sais pas trop quoi. Donc j'ai une barre de co, c'est super, magnifique. En train de faire une vidéo, j'ai une barre de co, c'est magnifique. Donc ça fait deux barres, ouais bon bref. Tu me laisses parler s'il te plaît Ferox. Donc je fais une petite dédicace à Monster qui est actuellement avec moi sur cette partie. Toi t'es là. Bref, donc j'ai dit par exemple c'est vous tous qui allez choisir. C'est pas une seule personne qui va choisir ma classe en entière, mais vous tous. Et vous allez tout simplement mettre dans les commentaires, comme j'ai dit, une personne qui met tu vas jouer avec Line 94, une autre personne va dire tu vas jouer avec détecteur de cible ou silencieux. Il y a une autre personne qui va dire que tu vas jouer avec par exemple les chiens d'attaque, etc. Et dans cette, cette série je vais tout simplement jouer deux parties. Donc deux parties dans le mode que vous m'aurez donné hein, que ce soit du MME, de la recherche, etc. Et dans ces deux dans ces deux parties, je devrais réaliser tout simplement toutes mes séries sans camper et comme je l'ai dit, tout simplement en rushant à 100%. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le rusher de l'extrême. Et dans tous les cas, je suis un rusher à 100%. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est vous qui allez me donner tout ça dans les commentaires. Vous me donnerez aussi, vous n'allez pas me donner la map parce que la map c'est assez aléatoire.
Mais vous allez me donner le mode de jeu, les atouts, les armes, les accessoires, série de victimes et tout le patatras. Vous allez vraiment tout me donner dans l'espace commentaire. Et moi, je sélectionnerai tout simplement des commentaires que vous m'avez laissés, donc avec l'arme, etc. Ou alors je ferai en fonction des likes qu'il y aura sur les commentaires. Donc regardez bien les commentaires, ça peut être intéressant. Comme ça, c'est vous qui choisissez à 100%, parce que si je vais voir une arme que j'aime bien, je vais forcément la sélectionner tout de suite. Et du coup, c'est pas vraiment logique, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc ça peut très bien aller du sniper jusqu'à la N94, passant par les petits guns, du Cap 40 au B23R. Ça peut très bien aller jusqu'au couteau balistique ou même au bouclier. Donc je tiens à préciser que si, je vous en supplie, c'est quand même une série où je dois réussir, hein, faut pas que ce soit mission impossible. Parce que si vous me demandez de faire des chiens avec le bouclier ou le couteau balistique, je veux bien être sympa, vous êtes mignon, certes, je vous aime bien. Mais faut légèrement pas abuser. J'ai une barre de co, ça recommence. Je sais pas les bugs que j'ai. Et du coup, voilà. Donc là, sur cette, ce premier épisode, ce sera tout simplement une partie où vous allez tout simplement où je présentais un peu le concept. Et après, dans le prochain épisode qui sortira normalement, un épisode par semaine devrait suffire, je pense. Et après, vous allez tout simplement me choisir les classes et après je sélectionnerai. Bon, les commentaires seront vraiment en ce qui concerne le gameplay et n'auront aucun rapport avec les débats que je fais. Hein. Ce sera vraiment du 100% commentary à la Call of Duty Black Ops 2 comme on le faisait à l'ancienne. Donc des commentary à la Call of Duty comme d'habitude. Et du coup, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on est légèrement en train de se faire spoon killer. Donc il y a pas mal de gens qui avaient rage kit et qui sont revenus. Moi je vous l'ai dit, dans tous les cas, dans toutes les parties, je les ferai en live. J'inviterai peut-être des fois des personnes. Mais en tout cas, je ne vais pas rage kit les parties. Je l'ai déjà dit, je ne rage kit pas, j'aime pas ça. Après vous pouvez très bien me donner des classes en ce qui concerne les fals. Je vous dis, vous pouvez vraiment passer partout. Donc là je joue avec poids léger, conditions extrêmes je crois. Non mais ils t'entendent pas dans tous les cas, donc c'est pas la peine de parler. Hein. Bref, mais dans tous les cas, j'ai une barre de coups, ça m'énerve. Là, mes abonnés vont se dire, oh my god, Virtuosi rage, oh my god. Oui, ça m'arrive de rager les mecs. Hein. C'est... Bref, donc... Ouais, donc je vais rappeler un peu la série pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc elle s'appellera Le Rusher de l'Extrême. Je mettrai dans le titre avec le nom de l'arme avec laquelle je vais jouer. Je ne mettrai pas le score pour comme ça vous garder la surprise vraiment jusqu'au bout. Et vous me donnez vraiment le mode de jeu, les armes, la classe, les atouts, les séries de victimes. Vous me donnez vraiment la totale. Donc lui m'attendait, c'est super, on va regarder ça quelqu'un qui avait l'air juste magnifique. En plus il joue avec la falle sélecteur de cible ou sélecteur de tir, ou alors il a une rapid fire. C'est super. Donc on est légèrement en train de se faire laminer. Bon, je fais quand même 21 kills, hein, ce qui est potable. Ce qui est déjà pas mal. J'ai quand même réussi à débloquer mon drone une fois. Bravo. C'est plutôt magnifique. La partie va bientôt se finir. Je vais être la killcam, je pense. Non, c'est bon, il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Enfin bref. Donc vous me donnez vraiment tout dans l'espace commentaire. Moi je ferai un épisode un par semaine ou voire même deux par semaine. J'inviterai peut-être des membres de ma team pour commenter avec moi. Donc ça peut être des défis à plusieurs ou des défis en solo. S'il faut que ce soit en plusieurs, vous me le dites. S'il faut que ce soit en solo, vous me le dites quand même. Et du coup voilà. Donc je pense avoir tout dit pour cet épisode. Je mettrai dans la description ce que vous devez me donner si jamais vous n'avez pas compris. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA 5 ou Call of Duty. N'hésitez vraiment pas à liker et à lâcher un petit partage ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi voilà, je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.